La délégation du G25, conduite par son premier responsable, Frigo Basile, est allée certainement évoquer les raisons de la mise en place de ce mouvement, à savoir susciter la candidature unique du président Alassane Ouattara, et en retour obtenir l'adhésion du PDCI-RDA. Au sorti de cette entrevue qui a duré plus de 30 minutes, et loin des caméras, les deux parties se prononcent. Nous sommes venus au PDCI-RDA pour vendre notre idée de la candidature unique. Le PDCI nous a reçus et nous partons satisfaits. La démarche a été appréciée, mais nous disons que spontanément, nous ne pouvons pas donner de réponse adéquate parce que nous avons un chef. Et nous savons que notre chef travaille pour la cohésion donc du RHDP. Une réponse non encore élucidée, certes, mais demeure importante et attendue pour le G25 qui souhaite l'adhésion de tous les partis politiques à ce projet. Pour l'heure, le groupement des députés issus des quatre formations politiques du RHDP et des indépendants continue sa campagne de sensibilisation pour une candidature unique.